Dans la chaîne de conservation et de disponibilité des médicaments, la pharmacie centrale de Guinée se veut plus performante. La construction d'un nouvel entrepôt pharmaceutique moderne est en phase de concrétisation sur ce site de 8 500 m². Des ingénieurs s'activent déjà dans la viabilisation du terrain. Pour le moment, nous sommes en train de dégager tout ce qui était matériel ou autre produit de santé qui était stocké pour aller mettre ailleurs pour que les travaux puissent réellement démarrer. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne reste que peut-être quelques petits trucs qui restent à enlever. Disons que dans les prochains jours, tout sera vraiment libéré et la peau de la première pierre va survenir bientôt. La construction de cet entrepôt pharmaceutique à Mania est une initiative présidentielle. 17 milliards de francs guinéens sont décaissés par le gouvernement pour la réalisation de la fondation de cet édifice public. Un engagement qui découle du dynamisme de la direction générale à accroître la capacité de stockage de la centrale pharmaceutique à 3 781 m². L'innovation a permis à la pharmacie centrale de Guinée de décrocher deux trophées d'excellence. Notre objectif que ces prix donnés aujourd'hui à l'ensemble des travailleurs de la pharmacie centrale de Guinée puissent permettre aux uns aux autres de se dépasser, d'aller de l'avant, et pour que demain, le Guinéen, où qu'il se trouve en Guinée, puisse avoir accès à des médicaments de qualité à des coûts abordables. Ce trophée, moi, ne me surprenne pas parce que je connais les efforts qui sont déployés ici. Il y a eu des avancées assez significatives, non seulement sur le plan de la logistique qui est fondamentale pour une centrale d'achat pharmaceutique, mais il y a un personnel dévoué, formé, qui est prêt à faire face à ses responsabilités. L'autre critère d'obtention de ces prix, c'est le rajeunissement du personnel de l'unique centrale d'achat pharmaceutique du pays. Sur 120 travailleurs, plus de la moitié a moins de 40 ans. Ce qui, du coup, permet à l'entreprise de jouer pleinement son rôle d'approvisionnement en médicaments essentiels à l'ensemble des structures sanitaires de la Guinée.